Salut, c'est Soyo Geek. Aujourd'hui, je vais juste vous parler un peu vite fait qu'est-ce qui va se passer sur cette vidéo. C'est que il y a un certain set coupé, mais aussi c'est pour vous parler de l'image qu'il y a au-dessus de ma tête et ce que proposaient les autres cartes. Si vous voulez, j'ai proposé un truc assez rigolo, c'est-à-dire Three Characters and One Shocker. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'on met trois personnages qu'on veut vraiment dans Smash et un Shocker parce que la communauté le veut beaucoup. Après, j'ai compris vite fait que mes collègues n'ont pas compris le délire. Du coup, pour moi, c'est cette image-là. Donc, Shantae, Waldidi, Bandana, Crash Bandicoot, Banjo Kazooie. Voilà, je dis au moins les personnages comme ça si certains ne savent pas. Après, les autres, je pense que vous devez savoir. Ensuite, celui-là, c'est Béranger. Très beau dessin. Ensuite, c'est Dubois. Je suis sûr, pas propre s'il aurait pu. Ensuite, là, c'est celui de Luadim. Très original. Celui de Soupe. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc du coup, si vous rappelez les images que je vous ai montrées là, vous pourrez rigoler pour savoir les réactions qui a fait qui a fait plus de réflexions et qui a été surpris le plus. Hein. Allez, sur ce, bonne VOD. Top. Peggy 12. Peggy 12. Encore à 8 secondes. Yes. Il y a Peggy 12. Comme Hugo, je suis bon, c'est bon, moi ça me va. Yes. Ah, je suis à 8. Ok. 2, 3, 2, 1, 0. Nique okay. Ta mère, d'où Peggy 12. Mais allez sur Twitch. Allez sur Twitch. Allez sur Twitch. Allez sur Twitch. Ah putain, ça a bugué un moment, bon ça va. Moi c'est bon, moi ça va. Moi, c'est bon, c'est remis dans l'ordre, c'est bon. Ça se fight comme des petites putes là-bas. Voilà, direct. Oh mon dieu. Allez, Sakurai. Oh, Sensei. Sensei. Oh mon dieu. Ça y est, on va tout savoir. Et ceci est le dernier Nintendo direct. Waouh. Allez, voyons. Sakurai Sensei. Bah écoute, du dos ça. Putain, alors là par contre, non, sur Twitch il y a un gros retard là, j'ai seulement le combat qui vient de commencer. Ah merde. Attends, tous les combattants présents dans le jeu. Tu plaisantes. Tu plaisantes. Moi j'ai le logo là. Hugo, je suis en avance sur toi. Oh merde. Yes. Ah là il y a le trait là. Oh, putain, là c'est un poche blanc. Attention, nouveau personnage. Little Mac est en train de défoncer la gueule à quelqu'un. Oh merde, ils vont mettre le français. Oh non, je l'ai vu, non. Non. Il y a Steve de Minecraft. Non, me dis pas qu'ils l'ont mis. Mais non, mais on s'en bat les couilles de lui, putain. Mais Ken, c'est nul. Ils n'ont mis Ken. On s'en bat les couilles, putain. Ils n'ont mis Ken. Ken, tu pues la merde. Attends, mais ils n'ont pas lui. Non, mais non, ils vont mettre ça. Ça, ils vont mettre comme écho, ça c'est sûr. Oui, il y a un Echo Fighter, mais fais le chier. Mais on s'en contre-branle, putain. Non, ça va, ils ont refait une grosse cinématique, genre, où ils se ramènent, tout ça, genre, non, c'est vraiment, bonjour, il vient et il s'en va. C'est... Non, alors, là, maintenant, il y a... Alors, maintenant, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Capcom. Les gars, il y a un méchant dans le noir. Vous êtes sûr que c'est pas Capcom versus moi. Fighting? Oh non, que me dis pas, non. Ah, ça bug. Ah, ouais. Voilà, je vois qu'il fasse le smash, là. Ouais. Pas voilà, là, il éjecte sur l'écran. Ok. K.O. Là, y'a un. Oh mon dieu, y'a un. Y'a un méchant. Oh, ouais, alors, y'a un méchant, oh là là, les yeux. Alors, me dis. Alors, soit Blanca ou soit Bison. Bison, c'est Bison. Bison. Non. Mais attends, non, il l'éjecte sur l'écran là. C'est. Qu'est-ce que ça? C'est quoi? Pokémon. C'est nul. Mais oui, c'est le Pokémon, mais oui. Mais attends, mais il ressemble pas du tout. Wesh. Y'a un Pokémon. Non, mais sérieusement, lui. Mais putain, mais ils auraient pu mettre le type vert. Attends, enfin, le putain, type vert, le type feuille. Ils auraient pu mettre le type feuille, bordel. Mais il est où mon... Il est où mon Pokémon typo? Ma baie, ma princesse. Oui, je parle du Pokémon Soleil et Lune. Voilà. Oh putain. Oh, y'a Pikachu 2. Ah non, mais lui, il est nul. C'est si nul. Oui, mais on sent. Oh, le Smash. On va voir, c'est quoi le Smash. Non, j'aurais préféré Rey Mysterio MDR. Bon bah voilà. Alors par contre, est-ce que Dragofeu serait son écho, ce serait pas lui? Oh. Tiens, mais y'a combien de trous dans cet écran maintenant? Non, je pense pas. Non, c'est pas un écho parce que là c'est vraiment genre Pokémon Catcher. Ah, dommage. Ah. C'est le rêve des furies. C'est rigolo, putain, mais les mecs. C'est juste ça. Villageois veut le défoncer. Et c'est là qu'il nous dit. Courage, moi je te défonce la gueule. Ah. S'il nous dit qu'ils ont tout révélé. Ouais, je me pends, putain! Ah putain, ouais, si c'est vraiment que ça. Non, c'est bon. Okay. Ah, cool, non. Il y a peut-être des chances que ça soit complet, mais là, il y a Pichu, peut-être qu'il laisse une place, mais je suis pas très sûr. Voilà, Ken fait son entrée. Bon, on va expliquer Ken. Bah, c'est Ken. Ah, voilà, combattant Echo. Ken! Les mecs, vous en êtes où? Là, il explique là où Ken. Je vois Ken et Ryu, là, je vois. Dans le Mario, jeu original. Quoi? Ah, d'accord. Ah, ouais, Mario maintenant. Ah, oui, Mario. Et vous, la fresque s'est passée ou quoi?
Ouais, il a dépassé. Là, un token, là, il a fait un token. Mec, mais mec, regarde sur Twitch. Twitch ? Ok, ouais. Twitch, j'ai une tête de FR, c'est plus rapide. Enfin, c'est plus rapide. Ouais, je vais voir si je vais. On voit les mains du mec quand il fait un token, c'est dingue quand même. Alors attendez, moi je vais m'occuper de... Voilà, qualité de stream incroyable les amis. C'est génial. Waouh, vraiment, j'adore Ken. Putain, ouais, c'est mal en le Hadoken, ouais, c'est vrai que c'est trop bien. Attendez, j'essaie de... Voilà, je vais rafraîchir un peu. Et quand il est méchant, il fait paf. Ouais. Oh, du coup, bah Ken, non. Bon, moi, j'ai essayé de voir si je suis à la bonne truc. Là, il explique juste Ken, donc on s'en fiche un peu, Ander. Ouais. Alors, là il a Ken, il défonce à Wolf. Voilà, là il se balade avec Ryo. Et là, il court avec Ryo. Ouais. Voilà. Ok, bah, je suis en train de faire ça. Putain, il fait son entrée. Mais vous en êtes à la présentation du Pokémon ou pas? Là, je... Non. Ok. Bah, ça part pas, hein. Bah, ouais, mais... Orage. Mec, à mon avis, j'étais en avance et d'un seul coup, il me fait non, tu vas crever. Bon, si, au début, j'étais à l'avance et là, il y a tout le monde qui me dit, ouais, là, voilà. Je suis avec le Pokémon. J'aimerais juste rappeler. Fais l'Inferno, quoi. Fais l'Inferno, fais son entrée, voilà. Là, j'ai l'entrée de Fais l'Inferno. Ouais, putain, mec. Pareil. Mec, mais moi, je suis déjà. J'aime bien, je vois Hugo qui disait, ouais, on a une super bonne connexion. Allez, chez Free, je sais pas, mais je pense que c'est en fonction aussi de la plateforme de laquelle on regarde. Mais j'avais la connexion la plus pourrie, je suis le plus en avance. Bah tu regardes en 144p, c'est pas mieux. C'est pas vrai. C'est du putain, mais genre, mais ce personnage, mais personne le voulait, on est d'accord, enfin tout le monde voulait. Je m'attendais à tout sauf ça, quoi, en fait. Bah moi, je m'attendais soit un Pokémon au moins de la nouvelle génération, ça encore, parce que ils ont fait la même chose pour Criminija, je sais plus oublier son nom. Ah oui, donc, Infinobi en français. Voilà, Infinobi. Et. Luigi qui tente. Je l'ai vu aussi. Mec, mais moi je suis déjà. Quoi, son attaque B c'est Vendetta. Vendetta, attends, je vais regarder. Putain, c'est genre Michael Vendetta. C'est pas qu'ils sont en feu. Ah non, mais du coup là ils ont mis déjà deux personnages comme ça. Et ouais. Sachant qu'ils avaient dit que c'était à 72, donc j'imagine qu'ils veulent faire un chiffre rond, genre 80. Du coup, il y a Vendetta. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Vendetta. Quoi, non? Il a dit qu'ils avaient révélé tous les combattants du jeu. Non, mais ils vont faire un one man thing, on va être pas prêt. Non, hein. Non, mais je suis désolé, il a dit qu'il avait des. Non, mais putain. C'est quoi cet écran de début de merde? Bon, bah, chantez, Waltidi, Crash, Panjo Kazooie, au revoir. D'accord, il peut pas faire plaisir à tout le monde, mais au moins on met des personnages que les gens attendent. Putain. Waouh, super, mais moi je voulais chanter, voilà. Moi. Je suis enchanté, il est caché ce point d'interrogation. Amiibo, ah. Ah c'est... oui, bon ça c'est pas mal, ok, pourquoi pas. Ah, il est joli. L'écran rose s'embrasse. Allez, vous faire foutre pour les autres. Le Ridley, il est joli quand même. Oh, le Ridley, il est bien. Ah, c'est caché. Oui, le mort. Mais putain, mais les mecs, on voulait un autre. Bon, j'aime bien la note, le trésor de Pokémon compte pour un seul. Ah, les amis. Ah, les amis. Ah, Inkling. Personne n'a demandé Fais l'Inferno, c'est de la merde. Mais attendez, mais ils vont pas faire des amiibo du coup pour Link enfant, Pichu et tout. Attends, pourquoi ils ont montré la Scrambler? Mais les gars, on s'en bat les couilles, montrer. Ah. Attends, Hugo, t'es d'accord? T'en es à Wolf avec moi? Ah, Wolf, ouais. Ouais, moi pareil. Link enfant, il est dégueulasse. Des icônes du jeu vidéo se rencontrent. Oh, le Wolf, il est tellement mal. Non, putain, non, fais chier. Ouais, c'est trop triste. Bon, vous allez voir. King et Roll, ok. Ah bah y'a Pichu aussi. Attends, le Pichu là. Ouais, Pichu. Ma bouille. Moi je suis... Mec, c'est dommage. Je suis plus loin. Les icônes de jeux vidéo se rencontrent, hein. Voilà, c'est moi je suis... Ils ont retiré les trophées. Des icônes putain, de jeux. Putain, les trophées, sérieusement? Mais oui. Ah, mais ouais. Ouais. Non. Bien trop difficile à développer, bah nique ta mère. Ok, on a la révélation du mode en vert, les théories étaient justes, voilà, je vous spoil, je vous baise, et ok, d'accord. Mais attendez, genre, mais putain, mais y'a Chibi Robot, mais on s'en branle. Ah, j'avais de la serre à la je comprends que dalle, mec. Mais on est d'accord qu'on en est à une présentation des personnages. Non. Non, c'est le mode spirit. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah! J'ai pas compris! Tu pourras te battre contre
Willy. Docteur Wily. Docteur Wily. Oh, bravo Hugo, il y a un de tes personnages. Ouais, il y a pas de... Non, parce qu'il y a pas de bandana, Ander. Devin, mais comment toi? Il y a Liquid Snake. Mais c'est fou là. Tu peux te battre contre la case, tu vois, Smash. Tu peux te battre contre Keke. Mec, tu peux te battre contre case. Quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des autocollants maintenant? Ah, Sylvain! It's no you! Je comprends que dalle là. Là, je vois juste. C'est le fameux mode solo qu'on attendait tous. C'est. Qu'est-ce qui... je viens d'aider ma mère et là, il se passe des trucs là. Ah, Silver, casse-toi! T'es moche! Ouais! It's no you! Ah, moi j'ai un peu de retard. J'aime bien la souris! C'est de la merde les esprits, c'est quoi ça? Ouais. Oh, mais non, mais tu peux pas. C'est spécial Halloween! Ouh! C'est sacrément de la merde comme mode! Donc on aura toujours pas de mode histoire! Esprit créer. Non, mais en gros, t'as un esprit pour te rendre plus fort, après t'en as trois autres pour rendre l'esprit que t'as plus fort. Mais c'est nul! Ça reste de la merde, ouais. Moi je pensais qu'on pouvait se battre contre eux et tout, mais non! Moi je voulais jouer avec Goï, moi! Ouais! Et moi je voulais jouer au mode histoire quoi. Bon, il reste une demi-heure encore, on peut espérer d'autres trucs. Ouais bon chanter. Ah voilà, y'a Capi. Ah salut Palutena. Ouais, j'ai du retard je crois. Mais bien, je suis couché sur mon lit. Attendez. À pleurer. Ouais, mais on s'en bat les couilles. C'est pas une si bonne idée en fait. En gros, ils prennent tous les persos que tous les fans ils voulaient, quoi, et ils les mettent dans un mode en mode bon, ils sont dans le jeu, mais vous pouvez pas jouer avec. Voilà, vous avez des cartes, voilà. Vous les tous. Bon, il a l'air quand même fier de ça. Attends, quand même, les mecs ont eu la flemme de faire des trophées. Par contre, des images JPEG avec ouais. Un Snapchat, y'a pas de soucis. Ouah, c'est trop bien, ils apparaissent dans le stage. Par contre, ouah, c'est trop mimi. Je comprends vraiment pas le fonctionnement du mode. Vraiment. Voilà, vous avez dans le cul. Les bonus. Et vous l'avez bien dans le cul. Oh, cordon. Oui. Oh. De toute façon, ça, ils savent que ça va être totalement retiré des modes compétitifs. De toute façon, vu qu'en fait, tu peux assigner des combattants pour aider ton personnage à avoir plus de capacités. Not man. Ça marche pas. Ça va être exclu des combats, enfin. Donc ça sert à que dalle. En gros, c'est des améliorations avec des personnages que t'aimes bien, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Putain, il vient de quel jeu déjà? Le Banni. Oh, vous le voyez pas encore, Sky, mais. Le Banni, c'est Skyward Sword. Ouais, ah, c'est Skyward Sword. Il était bien ce jeu, moi j'ai bien aimé. C'est l'origine de Ganondorf en fait, c'est le. Ah oui. Ouais, ouais, mais... Enfin, non, mais il y a un truc primordial qui fait chier. Eh bien. Quoi? Mais pourquoi déjà il montre Leap? Je sais pas de quel jeu il vient, mais il la montre sous forme. Attendez, moi je vais réfléchir un peu, je suis un peu en retard, on dirait. Battez-vous avec une fleur sur la tête. C'est super intéressant, dis donc. Les sœurs doigts de fée de Animal Crossing. Montrez-moi tout. Show me everything. Mais c'est sacrément de la merde, les gars. Attendez, moi je vais revenir sur ça. Vous êtes sur Twitch, là? Ouais, je suis sur Twitch de Nintendo FR, moi. Ah, d'accord, bah du coup, je vais aller là-bas, alors. Twitch. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fout, là, Emmerich? Ouais, quoi? Mais what the fuck, Mick? Ouah, Animal Crossing, il y a un nouveau skin pour Robé, il est sympa. Non, c'est la console. Je sais pas si c'est nouveau, mais... Nintendo, voilà, Nintendo FR, voilà, c'est bon. Voilà, on se remet. Ouah, Bullet Bill fait apparaître des objets sur le stage. Ah, là, j'ai Mario qui fait mal. Ouais, à Pikachu. Ah, voilà, il y a Pikachu. Ok, c'est bon. Et en plus, en 1080-60 FPS, de votre gueule. Bah, allez. Non, moi, j'ai pas de Mika. Mimikyu. Oh, Mimikyu Force Smash. Moi, j'hésitais à mettre Mimikyu dans les persos que je voulais, en fait. Bah, après, il était trop fait dead, donc bon. Il y a assez de Mario, donc on en a un plus. Là, vous en avez plus que vous en étiez à Sonic se défoncer à Robé. C'est la Triforce Eco Plus. Ah bah c'est sur la Triforce du coup. Oh ma boy. Magnifique. Oh le chef. Aujourd'hui on mangeait des mères. Ah tiens, c'est pas grave. On va manger le sel des rageux pour qu'ils ont voulu voir Sense dans Undertale.
Mais du coup, c'est un bon contrôle pour un Nerd. Mais c'est un Pokémon Eco Plus. Mais de toute façon, ils savent que en fait, à chaque fois, ils nous donnent, ils font une annonce à la fin. Donc je pense que. Ah, attends, les stickers, ils peuvent évoluer. Les stickers. Au lieu d'avoir un lapin crétin, on en aura deux. J'attends, et putain, attends, ils vont mettre des loot box pour avoir des stickers encore plus forts. Ouais. Spirito. Ah, info sur. Ouais, il y a même coach. Il y a coach. Ouais. Il y a Doc Louis. Pop 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 pop. Encore un autre délire avec le. On part à l'aventure, récolter des trucs. Ah non. Si je repars, ça m'a fait beaucoup trop mal. Tu t'es le et je t'emmerde. Oh, il y a l'autre connard qui fait des roulettes de cowboy. Oh, il y a Kirby avec son robot. Putain, mais il y a le boss de Bayonetta, sérieusement. Et il y a Captain Copper. Ah, moi, c'est une sorte de. Mais ça n'a. Non, je sais pas. C'est carrément. Aucun sens en fait. Moi, je suis perdu. Moi, je suis perdu avec ça. C'est trop compliqué. Je. Mais oui. Mais les gars, vous faites un mode aventure, c'est facile. Non, mais attends. Déjà, j'aimais bien le système de niveau qu'il y avait dans l'ancien Smash. Avec. Tu pouvais transporter dans ton amiibo le niveau de ton personnage. Ça, ça allait. Tu mettais des améliorations et tout. Mais là, ça n'a aucun sens. Là, c'est genre, beaucoup ah, je lui colle les stickers au cul et puis non, ils ont mis sur le kit. Non, est-ce que le kit. Ça me fait penser à dans Brawl, c'est les stickers en mode aventure, ça donne des petits avantages. Mais arrêtez avec ce mode. C'est easy, t'as des stickers, tu lui colles au cul. Putain, c'est quoi ce Fox? Oh, c'est l'ultimate de Yoshi. Oh, j'ai jamais vu moi ce ultimate. On se croit dans le roi Lyon. Oh, mais viens, ce. Putain, c'est. Tu sais, t'as jamais vu ce ultimate de Yoshi? C'est dans Brawl, à un moment donné, t'as le Yoshi. Oui, oui, oui. Non, c'est dans Melee, c'est Melee, dans l'introduction. Là où, en plus, il dit. Allez, moi, dis. Katou et Cathy, ok. Non. 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 Allez, putain, le Jimmy T, ouais. Sniper Clip. Je veux voir ce qu'ils ont mis d'autre, s'il vous plaît. Arrêtez le mode Spirit. Il y a même ça. Ils ont même mis les personnages du vieux jeu dégueulasse de Nintendo Switch, là, les clips machin. One Two. Ah oui, non, le Sniper Clip. T'as pas idée de conneries. One Two Switch en mode. Ils vont mettre le clown ou les cowboys. Non, ils vont mettre le quand tu dois dorloter le bébé avec ta Nintendo Switch. En fait, j'aurais dû mettre Cranky Kong aussi dans ma liste parce que j'adore ce truc. Mais parce qu'il est vieux. Mais Cranky Kong, il aurait tellement pu être un personnage éco pour ton cœur, ouais. Ouais, mais ça aurait pu. J'avoue. À la place, on a eux. Mais ils vont mettre ça en combat, putain. Et c'est OP en fait, c'est OP du cul. T'as juste à avoir un personnage qui a une bonne amélioration et c'est bon, tu gagnes tous les putains de combats. Mais ouais. Ouais, mais du coup, ce sera jamais en multijoueur. Attendez, ça parle du multijoueur. Attendez, on va voir qu'est-ce qu'ils vont. Si jamais j'ai Smash, je joue jamais avec les esprits. Ouais, communication locale, bon bah encore. Waouh. Allez, c'est vraiment impressionnant. Attends, mais. En tout cas, le menu il est joli. Hein. Oui, oui. Ah, le menu est classe. Le menu est classe. For fun. En ligne. Les concerts, c'est pareil, les modes. Oh non. Pour la gloire. Ah. Donc il y a un mode fun et un mode ranked. Ah, c'est bien, c'est en fait, c'est casu et ranked. En casu et ranked, c'est bien. Ah, on peut choisir nos règles, pas mal ça. Oui, bah un peu si tu veux les objets, si tu veux un certain type de jeu. Moi, très franchement, je suis plus pour les vies que le temps, parce que si c'est juste pour. Ouais, moi aussi, ouais. Attends, moi je repense à un truc. Et le mode MP3, hein. Pourquoi le mode MP3? Ils en avaient parlé dans un Nintendo Direct, en gros, tu avais juste qu'à brancher ton casque à Nintendo Switch et ça servait de pour écouter les OST de Smash, mais en arrière-plan. Ouais, bah tu mets dans ton sac, tu cours un marathon, voilà, elle est morte. Ah, ils vont mettre tous ces mi dans Smash, regardez. Waouh, trop bien, regardez, il y a le mi. Il y a le mi manga femen. Wow, on s'en bat les couilles. Allez là. Ah pourquoi ça, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est pas mal. En vrai je m'attendais à genre à une surprise du genre. Essaye de faire mieux que ton adversaire. Bah, ah c'est l'adversaire parce qu'il y avait un truc où tu pouvais faire des high scores par ton propre compte. Mais pour l'adversaire c'est pas mal. Là c'est en ligne, c'est à dire des high scores contre l'adversaire ou en ligne. Genre t'es meilleur que tel joueur. T'as perdu. Oh, Jordan, il a été déconnecté. Ah, pour être trop mort.
Nous savons que notre connexion internet est pourrie. Connexion sale et primordiale, bah y'a déjà été concerné, mais après on en reparle. Bon, bah y'a personne en Corée du Nord, ouais. Ça c'est bizarre. Y'a que du ping-pong là-bas, fait chier. Si vous achetez un câble fibre free, vous pouvez. Ah, en LAN. Ah, mais ça va coûter 10 euros de plus. Ah, yes. Tu vois, ça ils l'ont pas mis dans la collector ça. Smash VIP, oh là, attends. Là, il y a Etika qui va rentrer dans la scène. Oh non, ça va être un. Ah oh, putain. Ah, ok, c'est bon. J'ai cru qu'il fallait payer pour accéder au truc. Je me suis dit. Ah, ah c'est pas mal en vrai. Mais. Ah, j'avoue. En gros, c'est pour se préparer pour les tournages, je pense. C'est cool si jamais ils incluent les. Ouais. C'est cool, moi j'aime bien. Genre, c'est une espèce de bêta-tester en gros. On peut avoir un tag à la façon Battlefield. Nice. Hey, regarde, hey, regarde mon tag. On va obtenir. Putain, tu lui arraches sa plaque. Hey, donne-moi ta plaque, connard. Eh, hey, monsieur. On dirait les militaires. Ah, qui Julien, y'a Julien. Bonjour, bienvenue sur mon site. Mec, Nathan, putain. Il y avait Gabriel aussi. Mais ça, une collection des plaques. Oh, tu peux taunt, mon dieu. Ah, moi, je vais marquer Spider-Man sur tous les trucs et chanter sur le. Oh, pizza time. Il y aura pas Fox. Fox. Ah, y a Fox dessus, c'est bon. Il y a Sans dedans. Waouh. Wow. Bravo la connexion. Les petits messages qui apparaissent, qu'on peut envoyer, personne les envoie. Mais non, ils sont trop occupés à se foutre sur la gueule. Bah, spectateur. Oui, personne ne va dire, ah attention, il m'a dit bravo. Oui, mais... bravo, vous êtes une merde. Oh, il est gentil, dis donc. Allez, oh, Simon. Allez, Simon. Allez, Romain, casse sur le cul. Il y avait Romain. Romain, il est français. Romain, t'es nul. Mais arrêtez de m'insulter. C'est vrai que les équipes, c'est nouveau. Laura. Ok. Putain, j'aime bien les petits éclairs dans les yeux. En mode. Vas-y, tue-toi, Luigi. Je t'ai tué. Attends. Oh non, on va... Oh non. On peut créer des arènes. Pourquoi pas. Et 1v1 dans la cour de récré. Mais c'est tellement ça. 1v1 Orly. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'était pas le mode... Ah, y'a Hugo sur, je suis dans Smash. Je suis dans Smash. Ouais. Ouais, Hugo, vas-y. Je suis à un e-click. J'ai pas Smash aussi, alors. Aussi sur 3DS pas le mode. Non, le téléphone. Quoi? Quoi? Oh non, ils vont encore parler de leur truc online. Non, mais personne ne télécharge, c'est comme ils essaient de vendre leur application. Oh non, y'a Toad. Mais Toad, comment il est? Quoi? Attends, After Jojo, il devient comme ça, Toad. Mec, mais t'as vu Toad? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mec, il a pris des stéroïdes. Bon, ok, les gens, Toad, c'est mon main, ok, ok. Oh. C'est qui a parié Shadow? Voilà, Shadow, ça va être un putain de bah voilà. T'es mort. C'est cool. Oh. S'il monte Skull Kid. Mais le pouvoir de Skull Kid, c'était pas de faire tomber la lune, justement? Non, il faisait juste chier, en fait. Attendez. Ah. Y'a un truc. Ouais, c'est un truc de merde. Mais non, mais c'est un... T'es qui, sale pute? T'es qui, sale pute? Attends. Les arbres faits, donc on va... C'est dans... Oui, dans le jeu d'horreur sur... Fatal Frame. Project Zero, Fatal Frame. Voilà. Ouh, Rilly Spooky. Putain, ils ont réussi à mettre elle. Mais what the fuck. Bah, je sais pas c'est qui elle, elle. Mais bah, en gros, en fait, c'est dans... Oh, fait chier. Y'a tout le monde qui voulait ce personnage. Au revoir, Godelson. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Allez, Godelson. Mais d'ailleurs, c'est qui? Godelson. Alors, on va y avoir. Ah, c'est bien ce que... Waouh, quel personnage très original. Chevalier noir. C'est dans... C'est pas dans Sonic? Non, Fire Emblem. Fire Emblem, bien marqué. Ah, c'est Fire Emblem, ok. Ah oui. Non, c'est pas l'Andar. Putain. C'est drôle. Mais c'est ça, mais il en est vraiment en plus. Waouh, c'est intéressant. Kirby Get Rekt. Kirby Mamdou. Tu n'es pas mon frère. Oh, il y a tout le monde qui voulait aussi ce personnage. Dommage. Oh putain. Moi, je trouve ça dommage parce que Rayman, ça aurait été bien en perso jouable. Et là, il fait du... À la limite, il est dans ce match, tu vois. Et donc, du coup, c'est cool pour... Ah bah, voilà, un personnage d'aide. Celui-là, il était pas... Attends, est-ce qu'il pourra faire le... Ah oui, on fait le gag très connu de Megaman, ça peut bien ça. Megaman 7? Mouchema? 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 Non, c'est Mario Paint! Mario Paint!
Mais quoi, what the fuck? C'est bientôt, ils vont mettre four et pelle de Mais c'est... Mais c'est Yu-Gi-Oh ça. C'est Yu-Gi-Oh. What? Ah, Tiki, ok. Oh, ça je connais comme personnage. Ah oui, c'est dans Art Academy. Art Academy. Ah, c'est Art Academy, ouais. Art Academy, là. Bon, ça va, mettre un peu... C'est quoi, bye bye. Mais non, il fallait évidemment qu'ils mettent un truc sur ça. Ken est passé et du coup... Bien sûr, il y a Ken et Ryu, il fallait bien qu'il y ait Gail. Est-ce qu'ils vont dire Sonic Boom? C'est Jean-Claude Van Damme, n'oubliez pas, hein. Mais non, mais il est pas dans Street Fighter, lui. Mais c'est qui, lui? Il est dans... Il est dans le Virtual Fighter, lui. C'est quoi, Virtual Fighter? C'est un jeu qui a... Ah, c'est un vieux jeu de PS1. La gueule, la gueule. Maintenant, il est de 59. Ça, on se reste avec Amazon. 59. Oh putain, où il y a le Rathalos aussi. Oui, c'est bien, ouais. Il y a plus de trophées que de... Que de personnages. Ça, ça aurait été trop merde. Bon, je suis sûr, chanter, c'est un trophée d'aide. Mec, non mais... Attends, voilà. Ok. Ouais, super, l'aide, c'est super important. Oh putain, mais on sent... En vrai, il va expliquer le jeu. Alors, le jeu, il était créé en 1980. Alors, en fait, pour connaître un bon jeu Smash Bros, il faut pas écouter les fans. Si vous allez dans les options, vous pouvez modifier le son. C'est les options, vous pouvez y aller. Vous pouvez faire une pétition pour demander à Moji d'être dans Smash. Mais pas qu'on masse, on s'en fout. Ça, il était déjà dans le... Ah putain, mais oui, bah, tu vois, c'est essayer de racheter leur mode son de merde, mais bon, ils vont pas le sortir. Ils font chier, putain, je voulais un mode aventure, raconte vos morts. En vrai, j'imagine que le cercle du milieu, ça va être le truc qui va dire c'est joli, mais c'est là le mode histoire. Oui, non, c'est ça, c'est des putains de Johnny. J'espère que je vais annoncer, on va pouvoir faire des DLC. J'espère qu'il va dire ça. On va mettre des DLC avec plein de personnages. C'est pas une très bonne chose d'annoncer que tu vas faire des DLC. On peut faire des vidéos, waouh. Waouh! Eh lol, le jeu de mots qui vient se passer! Smashatus! 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 Que je veux vraiment Smashatus. Et en plus, il raconte vraiment l'histoire! Simone de l'univers Castlevania. Oh non, ils vont faire comme sur 3DS! Ils vont faire comme 3DS là! En vrai, les défis, ça allait, moi. Attends! Est-ce que je reviens de rêver ou il y a Classic Mode? Bon, ok, il y a Classic Mode, je suis content! Classic Mode, c'est quand tu bats les vignettes, tu vas battre clairement. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas le mode histoire. J'ai vu qu'il y avait marqué au-dessus. Mais attendez. Il y avait écrit Shop en dessous dans. Machin. Oh mon dieu, c'est un jeu tout. C'est un pay to win. Mon dieu. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas à mettre de figurines. Dis, c'est le shop. Putain, tu peux revendre les. What the fuck? Magasin. Ah, voilà le magasin. C'est pour acheter. Snack! Tu peux acheter des snacks. Ah mais oui, mais c'est comme sur Brawl, tu pouvais acheter de la musique ou des trophées ou... Ouais bah je pense que... Au début les pièces elles servaient juste à, par exemple dans Melee, à avoir des trophées. Et maintenant qu'il n'y a plus les trophées... C'est un peu avant. Les stickers quoi. Voilà. Ouais. Regarde, j'ai le sticker de John Cena. Ouais. C'est ça. Attends, moi j'ai mon sticker. Mais quoi? Mais on s'en fout. Les langues sont bonnes. Tu peux le mettre en russe, nique ta mère. Oh, il avait les traduits en 11 langues, attention. Ah d'accord, c'est juste pour voir les différents voix. Voilà. Ah, il y a les voix françaises de Pokémon. Nique ta mère. C'est quoi cette voix, mec? Aldeno. Eh, Mackey. Bien joué. Happy, tété. Ah ça je sais pas dire en russe. Le temps pour le... Il reste 13 minutes. J'ai envie de mourir. Ils ont rien annoncé de bien. Non tu sais Luigi en russe c'est sous problème. Luminosité. Mais bordel de merde. Mais en vrai ils expliquent vraiment les détails du jeu. C'est comme si par exemple... C'est par exemple toi, jeune enfant de 1 an qui vient de naître, achète Smash, je vais t'expliquer les options. Non, mais... Maintenant mais je vais vous expliquer comment ouvrir la boîte. Bon ensuite on sait qu'il y a 40 minutes de Smash. Alors que tu peux régler la luminosité direct avec ta console. Oui j'avoue. Wow, c'est génial. Handicap. Ouais, encore, ah ça c'est pour l'anime ça. Oh. J'en ai marre. JPP. Il y a pas grand chose de marquant pour l'instant. Regarde comme il est dégueulasse là, le Incinero.
J'avoue. Évidemment, il s'appelle Max comme ça, il peut défoncer. C'est vrai qu'il faut mettre Isabelle avec plus 3 de force et Ridley avec moins 2. Combattant Mi, super! Oh putain, sa gueule! Oh, le Captain Crochet! Le Naruto! Ah putain. Mais je pense pourquoi Naruto, il a une épée quoi? Ah bah super! Allez, montre-nous. Allez, les nouvelles tenues! Je veux shorter comme nouvelle tenue! Allez, nouvelle tenue! Je veux la tenue du solaire! Non, attends, si ils mettent des tenues genre. Ok, bon, bah. Bof, celui-là. Ça, c'est pas une bêtise. Non, mais c'est pas une bêtise. C'est pas ça, ça va. Évidemment. Pourquoi pas? Putain, la gueule! Bien, évidemment. Le truc, c'est que ah, c'est. Ah, la tonne de Splatoon, elle est cool. Mais t'as vu la gueule? Mais oui, t'as vu les yeux, ils sont grave moches. Oh non, bah voilà. On peut jouer, regardez, on peut jouer ces personnages. Ouais, trop cool, on peut jouer Springman et Spring Girl, trop bien. 1v1. Mon tout est mort. Shippy Rop, oh. Bon après lui il était trop petit MDR. Il aura le même problème que Ridley. Déguisement Shippy Robot. Ouais. Mais pourquoi? Mais mettez Shippy Robot. PDDR, t'es Goldorak toi? Réunion MK2, sérieusement. Oh. Oh putain. Non. Non. Quoi? Attends, c'est qui? C'est quoi le personnage à côté là? C'est le robot. Ah ok. Non mais c'est le robot que tu fais quand tu construis Nintendo Labo. Ah non putain con. Attends. Et maintenant nous avons. J'ai pas ta phrase connaît. Oh. Oh. Continue téléchargeable de développement. Confirmé. Oh. Putain. Oh. Yes. Qu'est-ce qu'ils sont gratuits là? Qu'est-ce qu'ils sont 10 euros le truc. 10 euros tous les personnages. Ah voilà, payant. DLC payant. Yes, j'adore dépenser mon argent, trop cool. Genre j'adore les DLC à 15€, putain ouais. Le jeu il va me revenir pour 70 balles avec l'abonnement online. Trop content. Plus les DLC, ouais. Il parle pas de combattant zéro, Echo, hein. Ça s'entend mieux. Ok, c'est, on gagne un personnage, un endroit et de la musique. Parfait. 6€. Non mais tu te fous de ma gueule. 6€. Oh putain, 6€ pour ça, j'ai le Fighter Pass, mais c'est Fortnite maintenant. Ah le Fighter Pass, ont... Tant que c'est pas des loot box pour savoir quel perso tu es. Bon bah c'est bon, je supprime le bingo là, c'est bon. Allez, au revoir, Chanté, Voltidi, Bandana, Crash et Pancho Kazooie au plus. Allez, salut. Au revoir, Rabbi Jacob. Putain. Au revoir, Rabbi Jacob. Ah oui, ils mettent le contenu avant la mise en vente, ce qui est normal en fait. Alors j'imagine le chat qui sont en train d'être en sueur, du genre ah bah le Smash de la dernière fois était mieux. Oh putain, en plus le contenu sera à Vincent. Ah, 25 euros, putain. Sakurai, oui, c'est bien lui, c'est bien lui le roi. Ça reste cher quoi. Attends, là il y a rien. Bon, dans tous les cas, il y aura 5 taux personnes. Oui. Qu'est-ce qu'il arrive? Il y a un plan. Un bonus? Attends, un bonus? Là, je vais recevoir un bonus avec ce. Ah, mais où le nom? Il y a tout le monde qui voulait ce personnage! Oh, mais c'est quoi cette merde? C'est... Il est dégueulasse! Ah, bah ça vaut vraiment le coup de dépenser 25 balles, dis donc! 25 balles pour ce personnage! C'est bien, il y a tout le monde qui. J'imagine vraiment que j'incarne Rex! Mais j'ai l'impression que les directs de Nintendo ils sont de moins en moins bons. Bah c'est juste qu'on on se fait chier surtout. On s'attend à beaucoup trop en fait à chaque fois. C'est ça le truc. Ouais mais bon. Pour l'instant ils ont aucune date, mais moi je vais pas acheter aujourd'hui hein, même pas Day One hein. Mec j'adore les gens qui espèrent encore Sans dans le chat, mais fermez les gueules, vous avez pas la bonne. Barrier. Voilà, bonus pour les premiers acheteurs. Ah d'accord, c'est un pay to win, c'est bon. Yes. On aura un autre déguisement, on aura le déguisement de Todd pour les mini, sera trop cool. Yes. Ah attends, il va nous donner un petit aperçu. Ah. Attention, attention, attention. C'est là que tu vois Waluigi, t'es... Ah. What? C'est la ok, droite, alors j'imagine, c'est un personnage de Mario. C'est un mode zombie. Mario, il fait quoi? Ce sera un mode Battle Royale. Mario, non. Mario, non. Putain, il nique des merdes. Wouh, super. Qu'est-ce qu'il se passe? Ouais, une plante pierre. J'espère qu'il est jouable. Mais quoi? Non. Mais... Non. Quoi? Mais non. Mais non. Non. Mais qui a demandé ça? Mais quel monstre?
Mickey a demandé où? Putain! Mickey va jouer ce personnage! Mec, je l'achète Day One, le jeu juste pour l'avoir! C'est trop marrant! Mais merde! Mais attends, je veux voir son Smash Ultimate! Attends, je veux voir son Smash Ultimate! Son Smash Ultimate, qu'est-ce que ça va être? Il vole! Il vole! Ah, mais c'est un Kirby! Ah, encore, je peux comprendre le Smash Ultimate, mais. Pourquoi pas, mais bon. Oh! Mais c'est trop marrant! Mais non, c'est de la merde! Attends. Piranha. Ah d'accord, bon. Ok, attends, il dit que... J'ai pas compris comment on pouvait l'avoir en fait. Oh mais nique ta mère, nique ta mère. Tu précommandes le jeu puis tu l'as. Il reste 5 minutes de direct. J'espère qu'on aura un dernier personnage. Bah non, il a dit qu'on aura plus de personnages. Mais j'ai pas compris, mais elle sera dans le jeu directement comme ça ou elle lui avait dit qu'il fallait l'acheter Day One le jeu pour l'avoir ou un truc comme ça? J'ai pas compris. Non, en plus j'ai pas compris. J'aurais plus de voix à la fin de ce stream. Enfin, de cette vidéo. Bon, bref. Ah, ouais, j'avais déjà mal à la gorge, j'ai plus envie de parler. Putain, mais j'aurais préféré qu'ils annoncent Shrek, ça aurait été marrant. J'étais sûr, c'était lui. Mesdames et messieurs. Mais what? Nous venons d'avoir un truc assez horrible. Putain, c'est de la merde. Et en plus, il a un amiibo. J'espère que vous entendez la triste musique. C'est tellement triste. Oh, le lendemain de Saint-Valentin. Magnifique. Tiens, chérie, je vais te jouer à Plante Piranha comme cadeau. Ouais, ça avant de nous quitter. Ah, le moment de signe, allez. Moi, je veux qu'ils nous disent. En fait, je vous baisse. Attends, ils nous regardent depuis l'Europe. Oh mon dieu, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon sera là. Oh là, mais on sent. Essayez les 75. Mais ils vont faire le One More Thing encore. S'ils font un truc à Lyon, c'est très bien. Ouais. Ah, Lyon, putain. Et voilà, c'est la fin. Voilà. Venez en Belgique, s'il vous plaît. Venez en Belgique. Allez, hein, vous avez. Mais avant de nous quitter, attendez. PGW. Que s'est-il passé ce jour-là? Putain. Oh, le truc positif. Oh, qu'est-ce que c'est? Attends, quoi? Quoi? Monsieur. Ok. Allez. Au revoir. Coucou. Au revoir. Attends, c'est la fin. Attendez. Ok. Attendez. What? Oh putain, il y a des voix. Je vous le dis, c'est un mode battle royale. Moi, je vous le dis. Oh, 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 mec, le mode histoire, le mode histoire. What? Il est de retour. Mais c'est quoi? Et pourquoi y'a Fox qui était mis en avant? Oui. Et là y'a Mario, il va se mettre. Pas... Et là y'a Mario. Mario, what the fuck? Qu'est-ce que? En plus, là, ce qui est drôle, c'est qu'ils communiquent entre eux. Ah, ton fils so good, c'est Thanos. Qu'est-ce qu'il fait? What? Oh, bah Link, il est mort, Ender. Au revoir, Link. Ok, bah tout le monde va mourir, c'est bien. I don't feel so good. Mais c'est ça, c'est Thanos. Thanos mousse. Oh non, son équipe. Allez, clap, allez, on clique des doigts. Kirby, ne meurs pas, s'il te plaît. Oh, la feinte! Il se désintègre! Vous n'aurez jamais! Non, du coup, c'est qui les survivants? On sert à rien, hein! Mais c'est qui les survivants en fait? J'ai pas compris! Non plus! Y'a aucun survivant là-dedans! C'est dommage! Non mais. Attends, il reste Kirby, Meta Knight. Oui, Kirby! Échappe-toi! Échappe-toi! Échappe-toi, Kirby! Échappe-toi! Oui! Oui, Kirby est en vie! Oui! Putain, Hugo! Regarde, Lucas, c'est vrai, Kirby! Pourquoi ils ont pas montré? Motherfuck! Attends, mais ils sont tous là! Et là, t'as le gant de l'infini qui vient, puis qui fait avec ses doigts comme ça! Mais! Juste Kirby qui est parti! Et là, y'a Sens qui arrive! Y aura pas de time! J'ai pas fait gaffe sur quelle planète ils étaient! Sur Mars! Sur la Terre, où ils étaient, comme planète? C'est sur la Terre, en fait!
Oh, c'était que, sur le même endroit que Brawl. Ouais, c'est la même terre que Brawl. Okay, il reste ouais, deux minutes. Il reste deux minutes. Kirby, ma boy. Il a envie. Kirby, toujours Kirby. Oh. Et c'est pas là où ils ont annoncé Megaman? Qu'est-ce que c'est? Si, c'est le même mot. Attends. Oh putain, la musique. J'avoue, il est mignon quand même, Kirby. Attends, ils ont fait un thème avec la musique de Smash Bros. Oh mon dieu, est-ce que ce serait le mode histoire? Mais c'est Kirby qui survit. Ça serait. Pourquoi? Sakurai a fait Kirby. Bah regarde, y'a les figurines de. Regarde, y'a les figurines. Mais Mario, il est Jésus en fait maintenant. Putain, Mario, c'est Golden. Mais Mario, il est dans une cage de la chasse totale. Mario, je vais percer du miel dessus. Je vole ton esprit. Oh. Qu'est-ce que bordel? Et voilà, c'est l'aventure de Kirby. Je m'en fous, c'est le meilleur Smash Direct dans votre gueule. Mais tellement c'est l'aventure de Kirby. Allez, c'est pour tout le monde, c'est le pire Smash Direct, mais moi. En mode aventure, merde quoi. Avec Kirby. En mode aventure, putain, yes. Ah, mais on les débloque au fur et à mesure. C'est génial. Oh putain. Eh, c'est bon, moi, c'est bon, moi, je vous défonce. Kirby mène de l'aventure dans votre gueule. Ouais, Kirby mène de l'aventure direct. Eh, Kirby et le donjon mystère. Ah merde, ça c'est. Ah merde, ça c'est. Chanté! Mais il est pas jouable! Merde! Revolver au slot, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout lui, il vole? Oh, des nouveaux boss! Yes! Oh, s'il y a Pascal Kills en boss, attends. Défonce! Red Dead en la lueur du monde! C'est un mode histoire! La lueur du monde! Et là, en fait, c'est un DLC, tu dois l'acheter 50€! Ça serait trop bien! Alors, moi, je suis très déçu des nouveaux personnages qui a débloqué. Moi, je pensais qu'ils allaient le mettre à la fin. Mais, alors, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de trucs horribles. Mais à la fin. C'est moi, on est plus passé moyen, je pense. Voilà. Enfin, moi, nous a rassurés avec les DLC. Voilà. Un peu, donc, bon, c'est pas trop rassurant, mais ils nous auraient rassurés en mode. Au début, ils ont fait oui, bon, c'est la fin des personnages, mais bon, il y en aura quand même après. Donc, du coup, ça, c'est peut-être rassurant. Donc, on peut hypothéquer encore Rayman ou d'autres. Alors, on va commencer. On va commencer à demander à chacun leur avis du Smash. Alors, on va commencer par Soup. Oui. Voilà, Soup est mort. Non, je suis là. Ok, alors donne-nous ton avis, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a pas plu. Eh bien, le mode histoire, ça c'est éjaculation précoce, mais le reste c'était un peu, c'était décevant quoi, surtout le mode des esprits de merde là, j'ai pas compris. Moi non plus j'ai pas compris. Et puis, la plante piranha c'est drôle, la plante piranha c'est drôle, mais bon c'est con que tu doives l'acheter Day One. Achète le Devoid pour t'amuser avec lui. Alors maintenant, on va s'occuper de Béranger. Alors, moi, direct en lui-même, j'ai trouvé assez décevant, effectivement, parce que, bah, bordel de merde, on s'en fout de. C'est Ryu ? Ouais, non, c'est Ryu qui a été annoncé. On s'en fout de Ryu. Ken. Non, c'était Ken, pardon. C'était Ken. Eh, on s'en rend hein. Donc, Ken, on s'en contrefou. Assembly, le Pokémon là, donc, qui me fait chier avec son attaque Vendetta. Moi, je dirais qu'en soi, c'était pas mal. Mais ça manquait de nos personnages et les DLC, ça c'est chiant ça. Enfin, voilà, c'est mon avis. Mais je retiens un bon truc, c'est le costume Toad pour les Mii. Ça c'est. C'est vrai, c'est le costume Toad de loin, c'est trop bien. Je suis sûr, je vais jouer que lui maintenant. Alors maintenant. Maintenant, on va parler de Luanim. Alors moi je suis rassuré par les, DLC même si c'est payant mais voilà. La plante piranha c'est marrant, je voudrais juste l'avoir donc je serais obligé de l'acheter Day One. Et en fait concernant le mode histoire aventure, ok je suis hypé parce que ça a l'air sympathique et tout. Par contre quand on a vu là quand les personnages ils se déplaçaient dans une map, et j'ai pas du tout aimé le style graphique de la map. Voilà. Ah moi j'ai bien aimé. J'ai juste ça à dire. Attends, il y a Marco qui me dit en extase devant le Smash Direct, j'ai pleuré. Je vais l'envoyer. J'ai pleuré. Paul qui dit le mot. Pandana est chanté dans le cul. Voilà. Maintenant on va parler de. Oh mon dieu, mais ce Toad il fait peur. Putain, il a Limoges. Alors maintenant on va demander à Dubois. Vas-y.
Ton avis? Nique ta mère, Sakurai. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a fait aimer le plus? Non, alors, plus sérieusement, le coup des esprits, pareil, hein, j'ai rien compris, mais je pense que ça va être un peu plus étudiant quand je viens de voir le tweet dans le chat. Il est beau, putain. Non, je pense que les esprits, bon, c'est une fois qu'on aura le jeu en main, ça va être bien. La plante piranha, c'est du gros foutage de gueule. Deux nouveaux persos aussi, enfin, un Echo Fighter et un personnage original, genre en mode bas les couilles, on te le balance à la gueule, va te faire enculer. Non, très sérieusement, déçu, quoi. Puis bon, après, il y a un mode aventure, donc ça, c'est cool quand même. Mais il aurait pu y avoir du mieux. Puis bon, bah là, on va attendre que les DLC y sortent, hein, puis on verra. Hein. Ouais. Les TDR. Sinon, ouais, ça peut être bien. Ouais. Sinon, moi... Chantez, putain. Et du coup, bah, c'était bien. Il y a juste, bon... l'annonce où par exemple il y a Toad en Mi et bien sûr évidemment on s'attendait tous à la plante piranha, évidemment il était dans le top 50 des personnages qu'on attendait le plus à côté de Bozette évidemment aussi. Et en vrai le seul truc qui m'a beaucoup aimé c'est bien sûr la fin, parce que de toute façon la fin il y a tout le monde qui se masturbe dessus. Et que en vrai c'est pas mal de faire le mode histoire avec ma boy Kirby qui s'est échappé. Snake il s'est fait enculer. Snake s'est fait enculer. Token s'est fait enculer. Link s'est fait enculer. Tout le monde s'est fait enculer. Mais pas Kirby. Ma boy the game. Victory Plateau Royal. Non, c'est plutôt le méchant qui a eu play of the game du coup. Attendez. Quand même ça aurait été plus rigolo que si t'achetais le jeu Day One au lieu d'avoir la plante piranha, t'aurais eu Waluigi. C'est juste pour ceux qui sont vraiment fans, et bah ils disent. Ah non, mais là, ils se seraient fait des couilles en or, tout le monde aurait acheté Day One. Mais grave. Mais la plante piranha, mais qui veut se mettre? Mais putain, il fallait mettre un vrai bon personnage pour le Day One. Comme ça, ils allaient faire plein d'angles Day One et ils allaient tout gagner. Mais moi, par contre, pour Kirby. Kirby vous est fait avoir. C'est son mode histoire. Go, il a répété ça dans sa chambre pendant 4 ans. Le Kirby Star Allies, il était pas ouf en face. Ils ont fait un Kirby dans ce match. Du coup, c'est mieux. Mais Kirby, il s'en bat les couilles. Il y a un méchant intercosmique qui vient et lui, il fait ok. Et donc, du coup, pour le dialogue dans Undertale où Toriel elle fait oh là là, il y a un Echo Fight, il y a un fighter de Smash qui vient de m'appeler. Est-ce que vous pensez que c'est la plante piranha qui l'a appelé? Ouais, non, tu veux venir? Genre, mais je suis un plus important que toi, et salut, viens foutre. En vrai, le truc, c'est que Nintendo, ils vont prévoir un jeu solo plante piranha qui s'appelle Piranha Aventure, et le truc, c'est que c'est l'histoire de l'aventure de la plante, elle va marcher, elle va faire tout le niveau de Mario pour défoncer Mario. C'est Under Plant. Undertale, mais sauf que tu joues une plante. Attendez. Après, je peux comprendre qu'ils ont mis plante piranha, parce que dans Mario Party, il y a Koomba, alors bon... Il faut se rappeler, il y a Koomba quand même. En fait, moi j'allais presque mettre. Alors, attendez, on m'appelle. Bon, du coup, ouais, je vais arrêter l'enregistrement. Allez, bonne soirée tout le monde. Et puis, suicidez-vous avec tout. Donc, tous les fans de Waluigi se sont suicidés aujourd'hui. Par contre, tous les fans de la plante piranha. Et moi, je vais mourir parce que. Et moi aussi, je vais mourir parce que j'ai pas de. J'ai pas ma chanter. Pourquoi est-ce que Waluigi, en fait, ses jambes elles sont si bien moulées? Allez. Une grenouille, le truc. Merci à tous. Et c'est bon courage pour le best-of pour moi ou pour quelqu'un. Au revoir les amis. Au revoir.